Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et salut, Siryu-chan, j'ai atteint mon objectif point de croix et je devrais atteindre mon objectif tricot avant de dormir. Ah ouais, félicitations! Moi, j'ai atteint mon objectif suivre le bébé avec une serpillière. Elle a fait deux pipis sur le canapé. C'est cadeau. Donc, on reprend Dreamlight Valley. Voilà, pépère, là où la petite créature est couchée. Elle dort pas, mais on peut espérer que peut-être. L'apprentissage de la propreté a l'air de bien avancer. En vrai, ce matin, ça s'est bien passé. Et là, cet après-midi, elle n'en avait plus rien à faire. Voilà, et du coup. Et en vrai, ce matin, elle faisait des trucs où elle pouvait facilement aller faire pipi. Là, elle me regardait jouer, donc elle a fait un pipi. Et je crois qu'elle en a refait un autre devant Petit Ours Brun. Donc, c'est vraiment la télé. Donc maintenant, la règle, c'est si t'es sur le canapé, t'es sur une serviette. Et Fleur qui veut que demain, je donne des culottes à la crèche en leur disant « On a testé ce week-end, si on lui demande bien, ça se passe bien. » Parce que vraiment, hier, ça s'est super bien passé. Donc voilà. Alors, on en était à aider Vaiana à réparer sa pirogue. Donc il me faut encore du bois, il faut encore que je creuse et il faut que je pète. Est-ce qu'il a amélioré ma pioche? Non, et puis toutes les maîtresses, elles nous mettent le stress. Enfin, ça va, on a encore tout l'été, dont 5 semaines où on sera en vacances H24 avec elles. Enfin, ça va, quoi. Donc bon. J'ai bientôt plus d'endurance et j'ai toujours pas. Il me manque encore un morceau de bois. Ah oui, ça c'est pour rentrer. Ah oui, en fait, je comprends pourquoi. Pourquoi on a besoin de bouffe? Parce que là, je vais pas repartir pour revenir. Et j'ai rien à manger. Ah si, c'est bon, j'ai tout. Creuse un trou pour trouver de la soie. Comment puis-je vous aider? Que te faut-il? Donc ouais, donc c'est vraiment la soie. Donc on cherche. Et un dernier truc de soie. Oh non, sérieux, pour. Il me reste que un trou à faire. Bon ben on va manger une salade. 56. Je sais pas combien ça coûte de creuser un trou en vrai. Parlons. Donnons-lui tout ça. Salut. Merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Nous pourrons bientôt partir. Atteint une amitié de niveau 5 avec 3 villageois. Comment puis-je t'aider? Bah, c'est moi, comment puis-je t'aider? Maui, il veut quoi? Va raconter tes exploits à Maui. Ok. Faut que je devienne niveau 5 d'amitié avec 3 villageois. Punaise, c'est énorme. Fichtre. Donc allons raconter nos exploits à Maui. Puis on va faire le tour et récupérer les bananes. Je sais pas quelle quantité j'ai de charbon. Là j'en ai 4, mais je sais pas combien j'en ai chez moi. Voir si ça vaut le coup de cuisiner et qu'est-ce qu'il faut cuisiner pour se faire des thunes.
Je ne rêve que d'agrandir mon inventaire. So. Je sais même pas combien j'ai de sous. Je sais pas où est-ce que je vois. Là, 4000. Et ça va, si je fais plein de salades de fruits avec des bananes, je pense ça peut le faire. Eh ben, parle-lui. Bonjour. Eh bien, tu as réussi, Amekli. Loin d'être aussi incroyable que mon combat contre Tamatoa. Mais bon, tu n'es qu'une humaine. Bah oui, j'espère qu'un jour je pourrai faire dégonfler ton ego surdimensionné. Mais je sais pas s'il y a une incidence. Ah, on croirait entendre Vaiana. Maintenant, va aider Vaiana avec son truc de poisson. C'est-à-dire, je fais des allers-retours en fait. Le jeu est super joli, mais l'univers Disney, moi c'est Osef. Mais enfin ! Bonjour. Parlons. Donc non, il n'y a plus Mika parce que là je suis dans le monde de Vaiana et elle se rappelle même pas de Dreamlight Valley. Les débris de la tempête sont partis et ma pirogue est prête. Tu vois cette ligne où le ciel rencontre la mer ? Oui, c'est l'horizon. Elle m'a toujours attirée. Allons chercher du poisson. D'accord, embarquons sur mon bateau et amusons-nous sur l'océan. Ouh ! Ouais, je vais pas du tout pouvoir le... On va voir. Maintenant que nous sommes sur l'océan, j'aimerais que tu jettes un œil à ceci. Lorsque je travaillais sur la pirogue, j'ai trouvé ceci coincé entre deux planches. J'ignore comment ça s'est retrouvé ici, ou même de quoi il s'agit. On dirait une carte, mais rien ne m'y est familier. Voudrais-tu y jeter un coup d'œil ? Ok. Que mardi après, on va chez Abourk. Donc. Alors, où est-ce qu'elle est, cette carte ? Ah, la poignée aussi, je peux l'utiliser ? Pourquoi ça lui dit rien ? Ok. Et que veux-tu que j'en fasse ? Coucou ! Si ? Je n'ai aucune idée de ce que tu as fait, mais ça a du sens maintenant. Cela montre les différentes zones de l'océan près de cette île. Les lieux poissonneux seront plus loin en mer, mais regarde, une brume épaisse nous bloque la route. Oh non ! Nous devons trouver quelque chose pour nous aider à traverser en toute sécurité. Quelque chose qui illuminera notre route. Je vais explorer les environs. D'après la carte, nous sommes au sud, à la lisière de la brume. Il semble qu'il y ait d'autres lieux indiqués. Ça ressemble aux piliers rocheux au nord-ouest et aux îlots au sud. Ok. Un récif corallien au sud-ouest et un navire naufragé au sud-est. Ok. Il faut que je choisisse par où commencer ? Comment ? Je suis prête à naviguer. En vrai, on va retourner sur l'île. Parce que... Parce que j'ai plus d'endurance, j'ai pas de bouffe. Comme ça fait longtemps que j'ai joué, je vais pouvoir aller récolter tous les fruits et légumes qu'on va faire. Et après, on revient. Après, je trouve pas si joli le jeu. Il pleut! Ah mon dieu, il pleut! Est-ce que j'ai des graines? Oui, une graine, super. Peut-être le reste là, je vais le...
Donc il pleut, j'ai rien besoin. En vrai, la boîte aux lettres, j'ai pas envie de la connecter à internet, en fait. Bon bah... Ah bah oui, non, je peux pas la connecter avec ce compte. Donc je l'ai dans l'os. Voilà, salut. Donc elle va toujours s'allumer. Oui, c'est vrai, j'ai plus de... Je sais pas si je peux récolter. Si je peux récolter quand j'ai plus d'endurance. Je sais pas si on peut s'évanouir. On va faire le tour des arbres. J'ai pas un autre arbre fruitier par là, moi. Jus cru. Ok. Un souvenir. Pas si joli après avoir joué à Spiritfarer, cassé de beast. Bah en fait, je suis pas trop réaliste. J'ai toujours pensé que ce serait un endroit agréable pour jardiner. Ok. Je voulais pas te vexer, Thierry Bug. Et ouais. Non, moi je veux pas le fâcher. DDV, c'est loin d'être réaliste. Bah, enfin voilà, je sais pas, j'accroche pas trop. Si tu veux du réalisme, va faire les sniper élite. Ouh, un petit lapin. Et ça, je vais pas pouvoir parce que j'ai faim. Moi, je voulais juste faire le tour des trucs à vendre en vrai. Ça vaut le coup de cuisiner des trucs pour les vendre. Elle est où ma maison? Sérieux, je m'en sors pas. Moi, j'aime bien le Dreamlight très coloré. Avec le légendaire Tirnois. Un Tirnois? Mais enfin... Alors. Je connais d'autres recettes. Crackers... On va faire des salades de fruits, hein. Regarde le prix de vente de chaque composant individuellement et du plat cuisiné. Ouais, mais comme les plats cuisinés... Merci beaucoup Stéphane de Bourpalette d'avoir followé la chaîne. Bienvenue. En vrai, j'ai un peu la flemme de faire les comparaisons. Après, en faisant des essais, tu débloques des recettes, n'essaie pas... N'hésite pas. Ouais, aussi. Mais j'ai un peu peur. Je sais pas si je peux péter mes ingrédients. Tu vois, genre si je peux faire un repas douteux. Une salade copieuse. Tu vois, genre carottes, noix de coco. J'ai bien envie d'essayer, mais... Et salut Anne Chocolatine, comment ça va? Des crudités. Ok, ça marche. Blé, noix de coco. Il y a du monde, il y a du monde. Muffins, ah mais oui, mais j'ai déjà fait les muffins. Oh pardon, juste. Mais voilà. Eh ben ça va, eh ben cool. Fruits sans sucre. Oui, bah oui, on fait ce qu'on peut. On cuisine un peu pour se faire des sous. Cake aux fruits. Ouh. Quatre étoiles, ouais, t'as vu? Crackers? Sérieux, des crackers? Alors que j'ai mis du blé et masse de carottes. Ok. Je suis vexée.
Oh non, j'ai plus de charbon. Ah non, j'ai plus de place. Ah, vivement que je puisse agrandir mon inventaire. Parce que ça suffit pas comme si. Parce qu'il me reste... Non, j'ai plus de charbon, c'est bien ça le problème. Ok. Transfert intelligent, super. Allez, on va aller vendre tout ce qu'il faut et après, je me ferai peut-être un peu de bouffe. Le jeu, c'est que tu travailles pour un resto de Disney. Bah en vrai, c'est pas si loin. Donc en gros, moi j'arrive, je vous fais le plot. J'arrive dans le monde de Disney et il n'y a plus personne. Il y a des épines ténébreuses de partout. Et en gros, l'idée, c'est que ils ont tous oublié qui ils étaient. Enfin, en tout cas, qui faisaient partie de ce monde. Et du coup, bah, faut que je les ramène à la mémoire. Je trouve des souvenirs et tout. Voilà. On a commencé tout à l'heure. Hop. Genre, Picsou, c'est plus qu'il a la thune. Si, Picsou, il s'en rappelle. Mais tu vois, genre, Minnie, elle a disparu. Ah, merde. Et du coup, ouais. Attends, Picsou, il a rénové là où je suis en train de vendre. Il l'a rénové gratuitement. Quand même, le stand de Dingo, donc... C'est pas si pire, disons. Et voilà, je vais pouvoir améliorer... Enfin, agrandir ma... Mon sac. Incroyable. Non mais t'as vu, quand même, pour Picsou. Attendez. J'ai vu des trucs à creuser. Maintenant que j'ai récupéré de l'endurance. Voilà, et là... on en était à... je vais chez Vaiana. Mais pareil, elle se rappelle pas de ce monde. Et donc il faut que je la ramène... Qu'est-ce que c'est le truc là-bas? Ah mais c'est un souvenir. Par contre, Picsou est gratuite, ça fait deux. Mais il a dit c'est le premier. C'est comme Animal Crossing avec Picsou à la place des Nooks. Voilà. Donc Dingo il tient l'endroit où on peut vendre. Et donc pareil, là je vais récupérer les petites plantes, je vais aller les vendre et puis on s'arrache. Donc voilà, c'est ouais, comme disait Thierry Bug, j'ai l'impression que ça se régénère vraiment super vite les plantes. Donc je pense que t'as des sous à foison, si tu farmes un peu, tu fais trois fois le tour de suite et... touk touk touk. Oui, ça va super vite. Allez, salut. Donc, retournons voir Vaiana. Enfin, d'abord, je vais aller acheter mon sac. Voilà, et du coup, là, pour l'instant, on m'a fait choisir... entre trois univers et j'ai choisi Vaiana. J'ai plus que le million sur le jeu. De Dieu. On est d'accord que ça va agrandir que. Ouais, c'est ça, hein, ça me rajoute qu'une ligne. Et comment on améliore la maison ? Que vraiment c'est chaud quoi.
Bref. Le truc le plus cher est à 15 000. Et je peux pas ranger... Ah ouais, je peux pas ranger mon sac. Fichtre. Et... On va se faire un petit peu de bouffe, mais... Tu vas voir, Tom Nook... Pizzou. Picsou. Bah, c'est un peu ça. Je vais me faire un peu de bouffe pour quand je serai chez Vaiana. Si je fais toujours des salades de fruits, au moins ça permet de pas me prendre plusieurs slots dans mon sac. J'aurais pu garder les autres salades de fruits aussi. Allez, un dernier avec un peu de salade, de framboise. Et on s'arrache. En vrai, j'aurais préféré pouvoir choisir directement Stitch, mais... Je crois que c'est pas pour tout de suite. Je pense que c'est une bonne strat. Eh ben, merci. On va voir. Hein. Après, ça se trouve, j'aurais jamais besoin d'utiliser tant d'endurance que ça, et j'ai flippé pour rien. Donc allons au château. Et donc voilà la map. Voilà, l'idée c'est qu'il y a plein d'endroits. C'est une quête liée à Donald Stitch. Ok. Non mais ce que j'ai dit un peu plus haut. D'aller voir Picsou? Ah, tu peux récupérer de l'herbe et des champis douteux. Tu fais une soupe Peace and Love et tu la donnes à Picsou. Il est drogué et tu le vois. Je ne suis pas un psychopathe. Ah ouais, si, faisons ça. Je suis sûre, ça passe. Vol. Ah. Mais non, mais on va pas voler quand même. Mais enfin, une chocolatine. Ah mais qui avoir une bonne strat. Salut Mr. Shiny, ça fait toujours plaisir. Non mais oh. D'ailleurs, Mr. Shiny, Flork tout à l'heure, mais vous l'avez pas entendu, il a dit que Thierry Bugs était mon plus fervent follower. Juste pour troller, ça m'a fait rigoler. Voilà. C'est pas moi, c'est Flork. Bref, allons parler à Vaiana et on va aller chercher du poisson. Voilà, le problème de Vaiana en ce moment, c'est qu'elle ne trouve point de poisson. Salut. Allons naviguer. Embarquons sur mon bateau et naviguons sur l'océan. Franchement, là, avec ma pelle dans la main, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors. Il y a le 2 qui va sortir. Oui, j'ai vu ça. Nous, cette semaine, on voulait aller voir Vice Versa 2 avec Carole et Flork, mais on n'a pas eu le temps. Allons naviguer. Où allons-nous? Vers le bateau naufragé, vers le pilier rocheux, vers les îlots, vers le récif corallien. Vers le bateau naufragé. Après, je sais pas si... Tu vois, il va y avoir des... Et moi, moche et méchant 4 aussi. Ouais, j'ai vu, mais il m'a pas trop non plus super... Je sais pas si je peux pêcher. Ah bah non, il n'y a pas de rond dans l'eau. N'aie crainte que l'océan est l'un de mes amis. Mais du coup, juste je viens là et je fais rien. Fouille les différentes zones marines. Ok. Super. On regarde juste et j'ai rien à faire. Dans le village, tu peux... pêcher hors cercle. Ah ouais? Mais ici je peux pêcher? Faut que tu dises. Je suis prête à naviguer. Bah oui, mais elle va me dire qu'on va ailleurs. Ok, ici on peut pas.
J'ai des questions. Mm-hmm. Est-ce que j'ai des questions? Rappelle-moi ce qu'on est en train de faire. On cherche un bon endroit pour pêcher dans l'océan. Ah mais oui, du coup, en fait, faut juste que je cherche s'il y a des cercles. Navigons... vers le récif coralien. T'es pas dans le village. Oui, bah... hein, je me disais, peut-être je pouvais aussi... Et là, pareil, on fait rien. Ah, si. Récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça? Une torche pour éclairer la route. Veux-tu donner ces items? Ouais, mais j'ai pas très bien compris. Salut. Tu as trouvé une torche, c'est fantastique. Cela nous sera utile pour éclairer notre chemin. Retournons vers la lisière de la brume. Je vais installer ceci sur la pirogue. Hein? Moi je croyais qu'on cherchait du poisson. Coucou. Traversons la brume. La torche que nous avons trouvée illuminera la nuit et l'océan. Et sinon, la Raymanta, non. Hein? Je me rappelle plus c'est lequel tu... Voilà, on peut pas bafouer. Je comprends pas le titre. Je bafouillais sur les modos. Quelque chose bouge dans l'eau, je crois qu'il s'agit du poisson que nous cherchons. Essaye d'en attraper un. Oh oui! Il est où? Il est où le poisson? Bon. J'ai vraiment du mal à mettre... Merde. Ils expliquent pas trop comment on pêche, hein. Ah mais faut appuyer. Te plains pas, toi, c'est pas buggé. Parce que toi, c'est un... Non, toi, c'est pas un craqué. Moi, impossible de pêcher ici. Mais comment tu fais pour avoir que des jeux buggés? Parce que celui-là, tu l'avais pas craqué, non? Yeah! Je suis pas le bug pour rien. C'est pas faux. Un ton albinos d'un seul kilo? J'y crois pas du tout. C'est dans son pseudo Thierry Bug. Mais oui, mais vraiment, t'as tout qui crache. Le même jeu. Le gosse a pas de soucis et moi, ça bug. C'est vraiment... Mais enfin... Tu as trouvé un poisson. Et oui, parce que je suis trop forte. Ça signifie que cet endroit est parfait pour réapprovisionner mon peuple. Merci pour ton aide, Amécli. Si tu veux, je peux visiter ta vallée avec toi tout de suite. Il te faut un endroit où habiter. Un endroit qui te soit familier, confortable, qui est près de l'océan. Qui est près de l'océan? C'est important pour moi, merci. Je vais naviguer jusqu'à l'île. Viens me chercher dès que tu es prête. Donc là, faut que... Il faut que je fasse quoi? Donc faut que je lui trouve un endroit, quoi. Mais faut pas que je la mette chez moi, quand même. Bah dans le village, construire la maison. Ok. Ah oui, je construis une nouvelle maison. Arrête. Pardon.
Donc, ok. Donc, il faut que je trouve une maison, que je mette une maison près de l'océan. Emménager, placer une maison. Tu la trouveras dans le menu meubles. Ouvre l'inventaire. Est-ce que sur la map, ben, il faut quelque chose près de l'océan? Genre, il y a l'océan quelque part. J'ai pas accès à l'océan. N'importe où en vrai, pas obligé près de l'eau. Mais enfin, n'a aucun sens. Ok, donc n'importe où. On va récolter, les manger. Parce que Amekli, elle est flippée. Encore un souvenir ? On va quand même la mettre un peu près de l'eau. Il n'y a pas énormément d'eau non plus. Hein. J'ai pas de place près de l'eau. Ah bah, à côté d'un... Récupérer quoi? Ah, du bois. C'est mieux quand même que ça soit près de l'eau pour répondre à sa demande comme il se doit. Mais j'ai pas grand chose près de l'eau. Et déjà, il y a que dalle comme flotte. Donc, ça va être là, ça va vraiment être... Ouh! Ça va vraiment être au milieu. Mais soyons quand même... soyons cohérents. Les meubles. Mais c'est immense. Attendez, faut que je récolte ça. Donc. Allez, c'est juste un trou là. Fichtre. Je vais finir de ramasser les graines quand même. Il n'y avait pas d'autres ? Okay. Très bien, très bien. Donc, on va peut-être y arriver. C'est une maison, pas une niche. Bah ouais, mais... Je pensais pas que c'était si grand. Ah ouais, je pourrais la mettre sur le chemin en plus si j'avais envie. Mais quand même, non. Allez, là. Ok. Tu peux la déplacer à volonté, t'embête pas. Ok. Très bien. Salutations, voisin. Je ne comprends pas ce que tu attends. Paye les frais et la construction Picsou. Construiront une maison sur mesure pour quelqu'un venant de Motunui. 2000. Il est mignon, mais enfin, c'est beaucoup quand même, 2000. Donc il va falloir que je fasse quoi? Que je pêche, que je cuisine, que...
pour que Picsou vienne pour te donner les tes impôts. Hop. C'est pas trop, surtout que tu as cramé 4 points. Même 5000, ouais. Pour inventaire. Tout à fait. Mais parce que là, je peux pas... Je peux pas, comment dire. Je vais y arriver. Comment ça, par ici, la monnaie? Quoi, cette quête, là? C'est bon, je m'en rappelle plus. Oui, c'était 5000 pour l'inventaire, mais quand même. On en parle que tu construis des maisons plus grandes que la tienne. Bah un peu, ouais. En plus, moi, c'est pour ça que... Moi, c'est pour ça que j'ai dû utiliser tant de sous. C'était pour faire une maison. Pour agrandir mon sac. Parce que ma maison, elle est pas assez grande. Alors, pourquoi mes salades de fruits, elles sont pas stockées les unes? Je croyais que même si elles avaient... Oh, fichtre. La sienne est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Salle infinie. Ah, la mienne, elle bouge pas après. 2000 pour une maison, déplaçable à volonté et une map avec les personnages. C'est mieux que Animal Crossing. C'est ça. Je suis un peu triste, là, pour mes salades de fruits. Je vais vendre celle-là quand même. Voilà. Donc continuons à... Ah oui, on va aller se reposer. Surtout qu'il veut 1000 aussi, Picsou, pour son magasin. Bon, c'est l'heure de la douche. Eh ben, bonne douche et à tout à l'heure. Bonne piqûre. Transfert intelligent. J'ai rien à transférer intelligemment. En vrai, est-ce que je peux, dans mon inventaire, savoir... Dingo, il a une tête à ne pas déclarer ses revenus. Ouais, bah c'est dingo, quoi. J'aimerais bien savoir c'est laquelle ma salade de fruits, là, qui peut s'empiler. Ou c'est que on peut en mettre que deux l'une avec l'autre. Donc là, j'ai mis 2 bananes. On va essayer avec 3 bananes. Il est dingo. Donc c'est pas 3 bananes. Donc ça doit être 3 framboises. Yes, c'est 3 framboises. Mince. Moi qui me remets en question à cause de ce flop monumental. Bah, jouer sur le fait qu'il est dingo, que son nom c'est dingo. Tu vois, ouais, j'avoue, c'est... Légumes délicieux. Je sais pas si je peux faire genre des pommes au basilic. Salade de fruits. Ok. Je suis un peu triste. Je suis déçue.
Et si je fais blé, basilic, carotte, salade, pomme. Non, noix de coco. Peut-être à un moment ça va se rater. Muffins aux fruits sans sucre. Ok. Pas tant que ça, il y a des courgettes. C'est trop bon les courgettes. Par contre, ils mettent pas c'est quoi le nom des catégories. Alors, cuiner avec des épices. Je rétorque, c'est gluant. Bah oui, un peu gluant mais appétissant. Très bien. Je vais aller planter mes carottes et vendre des trucs. Donc voilà, là l'idée ça va être de se faire des thunes. En vrai ça va me saouler que ce soit la nuit. On a dit c'est où que je peux changer. Paramètres. Ah, j'ai juste pas le choix. Ok. Très bien. T'as qu'à jouer la journée. Bah, je pense que ça va finir comme ça. Hein. J'aurais que torque encore, putain. C'est vert et le vert est à l'encontre de mon code moral. Bah oui, c'est vert, c'est poison. J'essaye de pas dire ça là où il y a une petite créature, mais à chaque fois j'y pense. J'aimerais bien quand même faire un peu de place là. Moi le matin, certains persos dormaient encore et me bloquaient pour avancer. Ah, c'est relou ça! Et on peut pas tous jouer toute la journée, hein? Dit-elle en streamant je sais pas combien d'heures par semaine. Donc désolé, hein, je fais un peu de ménage mais. Je... dans mon jeu. Hop. Pourquoi t'enfermes pas les personnages avec la pelle pour les exploiter sans revenu? Eh ben j'ai pas le choix. Mais en vrai c'est un bon plan. Hein, mais... Par contre je me demande, est-ce que je peux genre les tonneaux qui sont là à côté de moi? Genre je peux les péter si je veux? Non, je peux pas enlever des trucs. Ah si. Et ça peut me donner des trucs. Retirer. Je peux pas les vendre. Ton personnage n'a pas la main verte. Il arrose les feuilles. Ouais, on me laisse pas la possibilité. Donc ok, très bien. Et ben, continuons. Par ici, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il veut? Mais non, mais je veux pas m'asseoir. Ah oui, c'est vrai. C'est merveilleux, une poignée de porte dorée gravée avec un M. Ça ne paraît pas grand-chose à Mekli, mais ça prouve que les efforts contre l'oubli portent leurs fruits. J'ai trouvé ceci dans le village. Quelqu'un doit être enfermé à l'extérieur. À qui appartient cela? Ceci appartient à une charmante jeune fille nommée Mirabel Madrigal. L'ex-monarque voulait qu'elle se sente chez elle, donc avec son aide... Ah, je l'ai jamais vue. C'est... Encanto.
Oh non, pas elle. Je voulais qu'elle se sente chez elle, donc avec mon aide, on a enchanté sa maison pour lui rappeler d'où elle vient. L'enchantement a donné un bâtiment, au bâtiment le pouvoir de refléter la gentillesse et l'énergie de Mirabel, mais même ainsi, on ne s'attendait pas à ce que Mini Casita devienne aussi magique et aussi protectrice envers ses habitants. Que veux-tu dire ? Lorsque l'oubli frappa Mirabel, comme beaucoup d'entre nous, a commencé à perdre la mémoire, et puis un matin, sa maison n'était plus là. J'ai rapidement mené l'enquête, et ce que j'ai découvert m'a vraiment étonnée. Pour la protéger, la maison a disparu dans un univers de poche qui lui est propre. Trouver cette poignée de porte dorée ne peut vouloir dire qu'une chose, Mini Casita envisage de revenir. Mais d'abord, tu dois lui prouver que la vallée est à nouveau sûre. Comment prouver cela à la maison ? Tu verras que c'est plutôt simple. Les maisons croient aux actes, pas aux mots. Ok ? Et les maisons finissent souvent par ressembler à leurs habitants. Pour prouver que la vallée est sûre pour Mirabel, il te faudra incarner les valeurs des madrigales. Quelles sont les valeurs des madrigales ? On m'a dit qu'ils croient toujours en la nécessité de rassembler leur village pour aider la communauté. Prenez des nouvelles de tout le monde pour s'assurer que leurs besoins étaient satisfaits. Elle aimait aussi beaucoup les photos. Je pourrais vérifier les besoins des villageois et leur donner des cadeaux. De bonnes idées en effet, Amekli. Engager la conversation avec certains villageois pourrait suffire. Après tout, tout le monde apprécie qu'on pense à lui. Plus tu accompliras d'actes de gentillesse, plus la poignée de porte dorée accumulera de magie. Une fois qu'elle en aura assez, Mini Casita reviendra. Ok. Est-ce qu'on irait pêcher ? Parce qu'en fait, on m'a dit de pêcher. Enfin, pour avoir des points Dreamlight là, il me disait de pêcher. Peut-être on va aller pêcher. Attrape 3 poissons. Mais il y a plein de fruits, attendez. Mais genre les fleurs, on est sûr, il n'y en a aucune qui peut me servir en cuisine. Ouh. Bim. Non, tu peux pas mettre de lien dans le chat, mais tu peux en mettre dans le Discord. Désolée. Je comprenais pas c'était quoi les étoiles. Mais oui, tu peux les mettre des liens que dans le Discord. Super, j'ai eu des habits. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Moi, j'en étais à... Ah oui, aller pêcher. Je suis partie dans tous les sens. Bah c'est bon. Qu'est-ce que tu nous mets ? Oui, mais j'ai pas le son sur mon ordi. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez, je le mets là. Parce que hein, je me rappelle pas d'un moment sur l'autre. Bah quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas compris.
Ah, vous les êtres. Ok, pardon. Alors voilà, on fait des... lui rappeler d'où elle vient. Voilà, tout de suite, on met des... on fait des jolies liaisons. Ça a un terme, en plus, en linguistique. De vouloir rajouter des liaisons. Et voilà, et bien sûr, j'ai plus d'endurance. Et j'ai oublié de repasser chez moi. Et salut Mickey! Salut mon ami! Mais je lui ai déjà fait un cadeau aujourd'hui, non? Lui, il aime les pommes. Ah ouais, direct. Ah ouais, mais ça monte vite en vrai. Et je peux lui redonner des cadeaux? Ah, mes choses préférées du jour. Ok. D'accord, j'avais pas vu. C'est pour ça qu'il faut donner ce qu'ils aiment et pas leur enfoncer des carottes dans le... Eh oui, mais j'avais pas tout compris. Alors, attendez, on va vendre. Déjà, et après on ira parler à Dingo. Salut. Quand tu leur dis de te suivre, ça fait monter leur XP aussi. Mais il me suit pas déjà? J'en ai pas déjà un qui me suit? Ou encore plus si tu fais des actions liées à leurs compétences. Personne te suit. Fichtre! Donc, on va lui dire de nous suivre. Il se fait tard. Allons faire un tour. Ah oui, et lui... Ah ouais, mais lui... Comment ça, je peux améliorer quelque chose? C'est quoi en bas à droite, là, qu'il y a augmenté? T'es la sixième personne avec le plus de spectateurs de Dreamlive in... Dreamlight Valley. Wouhou! Mais en vrai, vous êtes nombreux, ouais! Et franchement, tout à l'heure, là, quand il y a 25 personnes qui sont arrivées d'un coup, je vous avoue, c'était ouf. Ça attire beaucoup comme jeu. Alors que... Après, enfin, il est cool, quoi, mais... C'est pas non plus... Ah oui, il fallait que j'aille parler à Dango. C'est Disney, quoi. Dingo le fraudeur. Ça, récolter du basilic. Bon, et du coup, j'ai toujours pas pêché, quoi. Comment ça va aujourd'hui? Je suis en pleine forme, j'ai un petit coup de mou, je suis un peu en colère. Ça va changer quelque chose? Je suis en pleine forme. C'est fantastique. J'allais me mettre au fourneau, tu veux te joindre à moi? Bien sûr, je vais t'aider. Nous devons d'abord réunir les ingrédients. Il nous faut du basilic et de l'origan. Il en pousse partout sur l'esplanade. Et j'en ai déjà. Ok, ensuite... Comment ça va?
Voici un petit cadeau. Ok, j'ai rien à lui offrir qu'il aime. Très bien. Que dois-je faire? On dirait qu'il te manque un ingrédient. Comment ça? J'ai pas retrouvé. J'ai du basilic. J'ai de l'origan. Et alors? Il est où? Ah, il me faut plus de basilic et plus d'origan, mais j'ai cuisiné. Je les ai cuisinés, moi. Enfin, l'origan, en vrai, je l'ai vendu. J'ai pas moyen de les déplacer, les arbres à fruits. Parce que ça me saoule un peu qu'ils soient... Mais si, tu les avais déplacés, toi, Thierry Bug. Tu peux tout déplacer, sauf les lacs. Ah, mais ça va être chiant de le... Ah oui, non, si, ça va. J'ai pas moyen de dézoomer. Zoomer, dézoomer, ZR, R. Elle est où ma maison? Retirer. Moi, je veux les arbres à fruits. Je vois plus d'autres arbres à fruits, mais on y repassera. Oh là! Alors. Recopiteuse. En vrai, c'est pas parce que tu l'as fait. C'est moi, je voulais le faire et après je me suis rappelé que toi tu l'avais fait. Elle est où ma maison? Alerte Twitch, un certain dingo, grand chien de 1m30, chapeau vert, veste noire sur pull orange, jean bleu, longues oreilles et nez rond noir, est recherché pour blanchiment d'argent. Non déclaration d'impôt et escroquerie. J'ai opté toute la zone de la maison pour faire un max de fric. Bah bravo. Alors clairement, les arbres, merci non merci. Mais si je m'écoutais, je raserais tous les arbres. Plus de 200 000 par vente, ça va. De Dieu. Et c'est quoi le mieux au début pour faire des thunes? Ah oui, j'ai plus d'endurance. Ah mais attendez, mais j'ai la map pour voir les fruits. Il y en a encore deux par là. Tu veux mes notes? En vrai, j'ai un peu la flemme de lire des trucs. Mais les fruits des arbres... Ah merde, c'est sur Animal Crossing. Mais en vrai, je pense que c'est bien aussi là. Hein. Bon, je dois y aller, à plus. Eh ben, à plus. C'était cool de t'avoir. N'hésite pas à revenir. Bientôt. 34 pièces d'or de bénéf par graine achetée. Quelles que soient les graines?
pour les carottes. En fait, moi surtout, je me pose la question, les fruits, est-ce que ça vaut le coup de les cuisiner, sachant que ça me prend un charbon? Le chou, c'est 5, le blé, 3. Ok, donc chou, blé, même pas en rêve, j'en plante. Donc le mieux, c'est les carottes, ok. Mais il me propose pas de carottes, je crois. Fichtre, j'avais... Il est où l'arbre à fruits, là? C'est ça? Les fruits, j'en gardais un lot histoire d'en avoir et je vendais tout le reste. Il est où cet arbre à fruits? Ah, il est plus là. Ok. Alors. Elle est où ma maison? Parce que de toute façon, les fruits, je peux pas en replanter. Salut. On va vendre les fleurs. Eh ben très bien. Tu peux pas, mais ça pousse trop vite. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Et j'ai de quoi... On a dit c'est 2000 ou 3000 la maison de Vaiana. Alors par contre, on va virer là le... ok. Eh ben, allons-y. Alors, tiki-tiki-tik. Ça, c'est fait. Elle est où la maison? C'est quoi ça? Bonne journée à toi. Je ne comprends pas ce que tu attends. Paix les frais et la construction Picsou construiront une maison. J'ai vraiment hâte que Vaiana soit au village. Partageant le goût de l'aventure, nous avons beaucoup d'histoires à échanger. Yeah! Yippie! Yippie, yippie! Accueille Vaiana. Oh, j'ai le seum, pardon. Du coup, Carole, elle est allée voir vice-versa. Faut qu'on aille voir vice-versa, Florc. Alors voilà, hein. Bref, pardon.
Ah, je peux prendre une photo. Un petit wink. Un petit filtre. Et un joli petit cadre. Parfait. Et comment on fait une photo ? Photographier. Tada ! Et j'ai toujours pas été attrapé de poisson. Fais une photo avec le bouton. Pas sûr qu'elle soit gardée sur Switch. Alors voilà, ceci est ta maison. C'est si... beau ? Certainement, mais il semble qu'il y ait beaucoup de travail à faire. Merci de m'avoir mené jusqu'ici. Je crois pouvoir t'aider. Wow, c'est yeah. On va aller à la maison parce qu'il n'y a plus d'endurance. Bonsoir, comment ça va ? Bonjour, bonjour, Rizu. Pardon, excuse-moi. Rizu Riz. Eh ben, ça va et toi ? On a commencé cet après-midi. On s'amuse pépère. Alors ça, j'ai pas la place. Pourquoi j'ai du grenat brillant et du grenat normal ? Ok. C'est comment qu'on améliore la maison ? Ça va bien, merci. Une découverte donc. Oui, après ça faisait longtemps qu'on m'en parlait. J'avais vu un petit stream où Thierry Bug il m'avait fait découvrir. Donc c'était... voilà. Je le connais vite fait, mais vraiment... je découvre pas mal de choses. Hop, nouveaux vêtements débloqués. Donc on cherche du basilic, de l'origan. Il y a tellement de framboises. Tu es sur quelle plateforme ? Sur Switch. Je suis sur Switch parce que c'est le plus pratique pour moi pour jouer. Après, je joue aussi sur ordinateur régulièrement. Hop. Le reste en vrai... comme moi. Parce que voilà, comme tu vois, je suis magnifiquement vautrée dans mon canapé. Et du coup, c'est quand même plus pratique. Donc blé et plusieurs fruits. C'est plus pratique pour moi d'avoir une manette Switch. Hop, on va se faire des cakes aux fruits et des cakes aux fruits. Hein. Après, on m'a dit, c'est pas trop compliqué de se faire des sous. Mais... et la Switch, c'est le mieux. Puis voilà, il était en promo hier, donc... donc bon, bah, j'ai craqué. Voilà. Donc on a dit on veut... ah ben non, en fait, on veut pas tant de sous que ça. On veut de l'origan et du machin. Et du basilic. Par contre, il va falloir que je... je pense que j'aurai pas trop le soir parce que j'aime pas du tout la nuit, quoi. Parce que mon écran de télé, en fait, il est plus... je trouve un peu... je trouve un peu... un peu sombre et je sais pas, j'ai jamais réussi à le monter. Je peux lui changer ses specs, mais j'ai pas réussi à le monter vraiment. On arrose. Récupère les carottes. On va ranger. Parce que je les ai tous ramenés par là, les fruitiers, mais peut-être on peut les ranger un peu mieux.
c'est quoi ça? Hop, alors les bananiers. On va péter les cailloux parce que quand même. Bon, j'espère que vous avez fait vos procurations pour ce week-end, pas pour ce week-end, pour les élections. Si vous pouvez pas aller voter. Bon, j'ai pas fini de ranger moi. Non, ça va, la technique c'est les plantations de citrouilles. Je pense pas que tu aies déjà débloqué les terres oubliées, mais la ferme, les plantations, c'est le plus rentable. Et surtout, garde tes pierres, charbon, etc. Ouais, ça niveau... du coup, on m'a bien dit garder les pierres, garder les joyaux. Puis ouais, là... Après, en vrai, je suis pas trop en dèche de thunes. Citrouille, c'est à la fin du jeu. Il y a largement le temps. Ok. Bon, bah du coup, j'y réfléchis pas trop pour l'instant. Je sais pas s'il y a besoin de place entre les différents trucs pour passer. Après, j'ai un peu la flemme de faire des plantations. Je me dis, les fruitiers, c'est quand même... Dans la plupart des jeux, c'est quand même le plus tranquille. Ok, donc je passe pas. Donc faut me laisser de la place entre les trucs. Très bien. Donc, on redéplace tout. En plus, le banc, en vrai, il va me... Non, je suis bien. Alors tout de suite, il y a un... Ah mais non, mais c'est le lampadaire. Je croyais que c'était un souvenir. Je vais passer ma vie à déplacer des trucs, en fait. Puis avec les franchement les joysticks je galère. Je sais pas si c'est cette manette, si c'est les manettes Switch, si c'est la vieillesse, je ne sais pas. Rien que le temps de bidouiller, j'ai déjà des fruits qui repoussent. Donc très bien. Et genre du coup en fait, si je veux la cahute de dingo, je peux l'amener à côté de moi. Ah oui, mais de toute façon, il faut que j'aille récupérer l'origan et tout sur la plaine. Donc on veut un basilic, un origan. Il y a que le magasin de Goofy qui sont bloqués dans les zones où elles sont. Ah, je peux pas le déplacer, fichtre.
Alors voilà, hein, tu me dis, je peux tout déplacer, et en fait, je peux pas tout déplacer, quoi. Non, mais ok. Tu peux te déplacer, mais elle doit rester... Tu peux la déplacer, ok. Mais oui, tu peux tout mettre où tu veux. J'ai piqué un air et je fleur bon. Non, le gel anti-inflammatoire. Miam, 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 miam. Ah, mince! T'as piqué un air. Oh, fichtre. Mais attention, Siryu-chan, il faut bien se laver les mains après, sauf si tu mets du gel anti-inflammatoire pour de l'arthrose des mains. Regarde sur, le pot, c'est écrit ça en toutes lettres. Et à chaque fois, ça me fait hurler de rire alors que c'est débile. Bref, j'en étais à vouloir pêcher des poissons. Et à chercher du basilic. Mais le basilic, il m'a pas l'air d'avoir envie de revenir. Donc je vais rester triste d'avoir trop vendu et utiliser ma bouffe. Voilà. Par contre, c'est un peu nul que ça... qu'elle vibre pas la manette quand on pêche. Merde, trop tôt. Je suis nul. J'avais mangé après, donc t'inquiète que les mains sont lavées. Moi, je trouve ça magnifique qu'ils aient besoin de dire si tu mets de la crème anti-inflammatoire pour tes mains, qu'il faut pas te laver les mains après. Yeah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une truite arc-en-ciel de 500 grammes. Des algues, ok. Je veux un poisson. Parce qu'il me faut un troisième poisson. Faut dire que c'est la merde d'en avoir plein les mains. Ouais, ça poisse, c'est horrible. Allons se reposer. Nous reposer. Oh ! Yeah, du basilic. Donc les gens seraient plutôt tentés de se laver. En vrai, moi j'aime bien l'odeur. Je déteste que ça colle et tout, mais j'aime bien l'odeur du gel anti-inflammatoire. Et j'ai eu tout le basilic, tout l'origan, très bien, mais on va d'abord aller se reposer. Et j'ai trouvé quelque chose, non ? Des algues, tu crois qu'elles pourraient améliorer la canne à pêche ? Ok. Donc faut que je les garde, peut-être les algues. C'est puissant comme odeur, quoi. C'est ça. Moi, j'aime bien. Ouvrons l'espace de stockage. Je veux améliorer ma maison. Comment on améliore la maison ? Je me rappelle déjà plus. Je crois qu'on me l'a dit. Je me suis dit, ah, c'est pas pour maintenant. Et je me rappelle plus du coup. Oh là là ! Pense à ce qu'on pourrait préparer avec tous ces bons ingrédients. Préparons quelque chose qui plaira à tout le monde. Un défi ? J'adore ! Youpi ! Allez, mettons-nous au fourneau. Prépare un plat avec du basilic et de l'origan. Les algues, ça sera régulièrement, mais tu peux en vendre. Mais pas les rouges, ça servira plus tard. Ok. Basilic, origan. Finesse, j'ai 20 framboises. Ça grimpe tellement vite. Carotte, blé. J'hésite à mettre une framboise. Enfin, plutôt une pomme. Muffin aux fruits sans sucre. Ouais, en fait, tu peux rater aucun plat, mais du coup,
Des fois, ça te fait quand même des trucs que... Enfin, ça pourrait pas faire des muffins sans sucre, ça. Ça sent super bon, tout le monde voudra y goûter. Si tu continues de cuisiner comme ça, tu auras des voisins... Tu auras tes voisins pour meilleurs amis en un rien de temps. Il n'y a rien de tel que de partager un repas ensemble pour se sentir en famille avec ses voisins. Très bien. Mickey. J'avais pas un autre cadeau que je voulais lui faire. Ah non. Bramélian rouge, spaghetti, non. Et toi, qu'est-ce que t'aimes en ce moment? Comment ça va? Ok, ok. Et j'ai pas trouvé de citrine. Ok, salut. Chousse. Eh ben, voilà. Comment j'améliore ma maison? Dites, comment on améliore la maison? Je veux de la place dans mon inventaire. Ah, je suis fou. Et sérieux, Goofy, c'est un peu agressif. Ok. Donc, faisons le tour. Oui, je veux me faire des sous. Parce que je veux faire le magasin de Picsou. Et je veux attraper un troisième poisson. Tu vas dans l'ascenseur à gauche, si je me souviens bien. Ouais, donc ça, je sens que c'est pas tout de suite parce que j'ai pas encore visité plus que ça. Et moi, ce que je trouve ouf, c'est que t'as vraiment... Au début, c'est le panneau devant la maison. Ok, t'as vraiment un mode si tu streams, que les musiques du coup c'est pas, elles sont pas copyrightées celles que qui sont proposées là. Et du coup je trouve ça fou qu'ils pensent à ça. Hop, allez les fleufleurs. En vrai les fleufleurs peut-être faut que j'arrête de les vendre tant que ça. Vu que peut-être il y a des gens qui les aimeront. Presque tous les jeux sur PC ont cette option. Ok, je savais pas. Bim, 1800. Donc on va aller faire le magasin de Picsou. Non, d'abord je vais voir ma maison, mais je crois que on me le propose pas encore. Ça c'est pas ma maison. J'ai pas de panneau devant ma maison. Remboursé. Remboursé. Ah, mais Vaiana, je lui ai pas fait de cadeau aujourd'hui. Si tu sais suivre les étoiles, elles te ramèneront toujours chez toi. Qu'est-ce qu'elle veut? Tarte aux pommes? Un thon? J'ai un thon, non? Non, j'ai une truite. Ou une... Nya 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 nya. Bon bah, j'ai pas ce que tu veux. Oh. Si tu sais suivre les étoiles, elles te ramèneront toujours chez toi. Mais d'ailleurs... Oui, j'ai fait une des... Voilà, attrape trois poissons. Après, pour l'instant, on m'a pas demandé de Dreamlight, mais... Allons améliorer la maison de Picsou. Enfin, créer le... Le magasin. Mais oui, bien sûr, c'est là que je voulais que tu creuses. En vrai, les ronces, il y en a vrai. Elles repoussent de temps en temps, les ronces, ou pas?
Mais je vais tellement tous les jours. Tous les jours ? J'avoue que les fleurs, j'ai été trauma par un event pour un craft. Il y en a besoin ? Tous les jours, elle repousse. Et merde, j'ai raccourci mon projet tricot parce que j'avais calculé que j'aurais pas assez de laine. Et en fait, t'auras assez de laine. Ah, il est où le livre que j'ai lu ? Un souvenir qui traîne, comme ça. Je suis quasi sûre que je me suis plantée et que j'aurais eu assez. Pichtre. C'est dommage. Convaincu, le célèbre Picsou d'ouvrir un commerce en ville, il prévoit de... dit qu'il est sûr que ce sera un bon investissement. Ça sert à rien de m'enquiquiner à tout nettoyer, quoi. Dit-elle en continuant à tout nettoyer. Mais j'en ai marre, donc je vais continuer raccourci. Mais ça va, le machin a l'air bien assez grand. C'est quoi ? C'est un t-shirt qui est devenu un crop top ? Ça te fait des graines gratuites et des pièces. C'est pas faux. Des fois, oui, après au début, c'est difficile de finir les events car ils prennent pas en compte que tu n'as pas débloqué toutes les persos. Ah oui. Ah mais attendez, mais les events, c'est avec internet en fait. Et moi, j'ai pas internet sur ce compte. Faut que je mette internet sur mon compte, quoi. Tu sais bien que je ne fais que des châles, lol. Ah mais si, je vais avoir les events, je suis con. Pas obligé, t'inquiète pas. Oui, c'est ça, c'est... Je vais avoir les events, c'est juste j'ai pas les messages directs. Switch bait. Mais... Bon, moi j'avais dit que j'allais m'occuper de Picsou. Mais en vrai, moi, les fleurs, ce qui m'inquiète, c'est surtout que je vais pas avoir la place dans mes inventaires, quoi. Ou des graines. Je vais planter des carottes. J'en ai 9. Yeah. Et on va se faire un 3x3. Je sais pas c'est combien pour arroser. Si c'est 2x2 ou 3x3. Arrosoir. Donc je dirais que c'est 3x3 et que j'ai merdé, mais... Donc nous disions... Picsou. Salutations, voisin. Bonjour à toi, Amekli. Comment puis-je réparer ton magasin ? Ok. Uh-huh. Oui, bah... Si tu veux investir dans ta propriété, il m'a dit. Oui, mais peut-être d'abord, il faut que je construise son magasin. Voilà, hein, toujours lui d'abord. 4 x 2, si tu te passes bien. Ok, d'accord, ça marche. Prête à investir, dès que j'ouvrirai le magasin, il y aura toutes sortes de meubles et de vêtements à acheter. Tu peux me faire confiance ou je ne m'appelle plus Picsou. Enfin la grande ouverture.
Non, mais je vais peut-être pas améliorer tout de suite. 10 000 ! Oui, bah oui, je vais peut-être pas améliorer tout de suite. Ouais. À bientôt. Nom d'une cornemuse, les affaires reprennent. Maintenant, il ne me manque plus que des clients. Et un bon investissement mérite un bon retour. Ces pièces sont pour toi. Ouhou. Entre donc, jette un œil. Si tu ne trouves rien à ton goût, viens en discuter avec moi dans mon magasin pour utiliser mon système de livraison breveté. Je te remercie. Alors, il n'a pas compris le principe d'investissement. Moi, j'ai fait un investissement, en théorie, je dois avoir des sous, des vrais sous derrière. Et là, il m'a redonné moins des sous. Tu as pas oublié un truc chez Vaiana ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Je sais pas, mais ça part dans tous les sens. Ah, j'ai oublié Maui, c'est ça ? Mais non, je veux pas... Bon, bah d'accord. Qu'est-ce qu'ils mangent, les écureuils ? Des pommes ? Des carottes ? J'ai pas de noix. Je sais pas si ça mange une noix de coco. On va essayer une noix de coco. C'est de Maui que tu parlais, Thierry Bug ? Mais non, mais... Je veux récolter mes framboises, là ! Juste. Tant de suspense. Framboise, c'est leur fruit, bref. Ok, merci beaucoup. Je note. Donc... Donc. Du coup, on a dit pour améliorer. Donc, c'est pas devant ma maison. Et allons chercher Maui. Non, je vais aller vendre mes affaires déjà. Donc on a dit on pouvait le déplacer un peu ce truc. Je peux pas le déplacer genre un peu vraiment près de chez moi. Ah si. Ah non. Non. Oh, je suis triste. Bon, le plus près, c'est là. J'ai qu'à mettre ma maison à côté aussi, hein. Alors, tu t'es mis en pause, bah bravo. Donc, je vais vendre des trucs. Comment ça va ? Et donc, Raise Your Eyes, tu disais dans l'ascenseur à gauche pour améliorer ma maison. Je suis perdue. Je suis perdue. Tu as juste oublié le métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer, idole des hommes et des femmes. En fait, j'ai rien envie de vendre. J'ai pas vraiment besoin de sous pour l'instant. J'ai pas envie de vendre les fleurs. Je veux juste améliorer ma maison. Je crois que je vais pleurer. Quand tu rentres chez toi, mais je sais pas si tu l'as déjà. Ah. Donc ok, donc c'est pas tout de suite quoi. Eh ben, allons chercher Maui. C'était quoi ça ? Du coup, je vais avoir envie de regarder Vaiana ce soir, mais je vais pas le finir parce que bah, je m'endormirai devant. Et du coup, demain,
on aura découvert un autre et j'aurai envie de regarder l'autre. Et je vais regarder que des demi-films en ce moment, quoi. On va aller récolter les petits fruits. Enfin, si je les croise. Des bananes. Merci beaucoup, Rizurize, d'avoir followé la chaîne. En tout cas, je suis déjà ravie de t'avoir parmi nous. Noix de coco et banane. Prendre l'avant sur les portes. Tu as des vitraux qui t'indiquent quel perso il y a. Ah oui, c'est vrai. Tu es là ? Super. Faut qu'on y aille. Tu regardes le film de la porte que tu ouvriras. C'est pas faux. Ravi aussi. Tu fais quoi en général comme jeu ? Je fais du Zelda. Donc en ce moment, je suis à Wind Waker. Je fais du Pokémon. En ce moment, je suis à Bouclier. Je fais aussi Assassin's Creed Origins en ce moment. À quoi on joue d'autre ? Un peu de City Skyline, un peu de Sonic quand j'ai envie. Donc voilà, c'est assez éclectique. Et du coup, bah, Disney Dreamlight Valley maintenant. Je crois que j'ai fait le tour de mes jeux actuels. Laisse-moi résumer. Vaiana m'a abandonné. Moi, elle est simplement partie pour aller dans un quelconque village. Tu peux y aller aussi ? C'est ça, tu penses que je vais juste suivre Vaiana comme un poulet domestique. D'ailleurs, on voit pas... Hey ! Si t'as besoin des autres assez, je les ai quasi tous. Oui, mais Thierry Bug aussi, et du coup, je suis sur son Steam. Donc, je les ai tous. Mais oui, j'avais noté les tiens. On s'en fiche, j'ai faim. La nourriture est excellente dans mon village. Digne d'un demi-dieu. Il faudra m'en convaincre. Tu veux que j'aille dans ton village ? Apporte-moi de la nourriture. Voyons si elle correspond à mes standards élevés. Ça va. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Une note au moins 3 étoiles. 3 plats, 3 étoiles. Fichtre. Eh ben très bien. Ça va être des cakes aux fruits, hein. Pour l'instant. Bon, il est 21h. Aïe, aïe, aïe. En vrai, faut pas que je craque ce soir. Et que je me couche pas trop tard. Parce que demain, Florque est pas là, donc je fais le lever, le coucher du bébé... J'avais prévu d'aller peut-être m'acheter un melon. Mais en fait, j'ai plein de trucs à manger. Bref. Et merci beaucoup, Wendell, d'avoir suivi la chaîne. Bienvenue. Je me rends compte que je dis toujours la même phrase. Mais en vrai, ça résume bien. J'espère que tu te plairas ici. Donc voilà, et je pense demain... Demain matin, peut-être on va se faire du Zelda Wind Waker. Alors, il veut du 3 étoiles. Gougère au poivron, j'ai pas de poivron. Je sais même pas c'est quoi le deuxième... Soupe poireau pommes de terre, ni rien du tout. Légumes des silicieux, c'est 2... Ah, je peux faire une salade. Copieuse. Et cake aux fruits. Très bien. Retrouve-nous sur le Discord. Pour la salade, on a dit, il faut de la salade. Et des trucs à mettre dedans. Wouh ! Et cake aux fruits.
Oui, bah j'ai vu ça. Mais franchement, ouais, j'ai vu ça, Thierry Bug. Ça va être cool. La bonne salade bouillue. Comment ça, bouillue? Mais Seryu-chan, nous, on n'a jamais été compatibles en salade. Ah mais oui, dans la gamelle, je comprends. Donc j'ai fait 3 trucs, 3 étoiles, là. Mais ouais. Donc bon. J'ai l'impression que... on va avoir des copains. Donc j'espère que ça vous plaira mes autres jeux aussi. Je vais essayer de pas craquer et pas faire que ce jeu-là tout le temps. Ce serait bien. Donc allons voir Maui. Et voilà, j'ai la chanson dans la tête. Non, ça va pas du tout bien aller pour ma santé mentale, ce jeu. Ah oui, on a dit regarder les vitraux. Donc là, on a quoi? Donc on a dit ratatouille. Je sais plus c'était quoi ça. Une plante. Ah, c'était Wally. Ah ouais, on va faire le tour. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ma bouteille, elle s'est jetée par terre. Ah mais les autres, on voit pas. Il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Ah si, là on voit. Alors, un œil. Ah, monstre et compagnie, bien sûr. La rose, c'est la belle et la bête. Va falloir craquer pour Guild Wars, par contre. Et oh oh, hein, oh. Ça, par contre, je sais pas. Ah mais non, mais c'est qu'il n'y a pas de vitrail. Mais je croyais que c'était la petite... je me disais, est-ce que c'est la Belle et la Bête, la Belle au bois dormant, avec les ronces, mais non. Donc ok, on a Monstre et compagnie. Oh ! On a Monstre et compagnie et la Belle et la Bête en possiblement ouvert avec de la Dreamlight. T'as dit, il est gratuit, Guild Wars? Non, c'est un abonnement, on est d'accord. Donc, apporte tous les plats à Maui. Du coup, moi, je repars. Pépouze, pose pas de questions. Le jeu de base est gratuit. Non mais Seryu-chan, ça suffit. Et t'as déjà des centaines d'heures de jeu avec. On a dit non. On a dit, il y a bien assez de jeux. T'as entendu la liste? Attends. Donc, on va apporter la bouffe à Maui. Après, tu peux acheter les extensions et c'est achat unique. Pas d'abonnement. Ok. Là, super, faut qu'on y aille. Mais si, pour tester. Ah, cette nourriture est plutôt bonne. Donc, dis-moi en plus sur ce village qui est devenu le nouvel endroit préféré de Vaiana. C'est moi qui devrais diriger le village, mais... je veux juste m'entourer de gens formidables. Disney Dreamlight, je suis totalement tombée dans l'addiction MDR. Bah c'est ça, après... non, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas l'impression d'en être totalement folle, mais on verra demain matin. Alors, tu viens rendre visite à Maui? Eh bien, au moins, tu as bon goût. On dirait que tu as besoin de mon aide. Tu ne sais peut-être pas grand-chose de moi, mais je pense que je serais prêt à visiter ton petit village. Ça pourrait être amusant. Je vais m'assurer qu'il y a un endroit pour toi dans le village. Ah mince. J'arrive pas à tiquer quand c'est moi qui parle. Je vais m'assurer qu'il y a un endroit pour toi dans le village. Qu'il soit fantastique. Super, alors ça me conviendra.
débloquer le biome de plage enchantée dans le village. Ok. Moi, j'ai un dragon pour me promener. Oui, un haut, hein, hein, haut. Non, le mieux, je préfère, c'est dans Pokémon Let's Go Evoli, que tu peux nager sur un Loclass. Je sais pas, je kiffe les Loclass. Allez, récoltons, ça va devenir... Ça va faire que Mickey va être copain. Je sais pas où j'en suis d'ailleurs de mon amitié avec lui. Si je suis déjà niveau 4. Niveau qu'il faut. Niveau 5. Et comment je sais quel niveau je suis? Ah bah si, je suis niveau 5. Donc il faut que j'aille choper Goofy. Picsou aussi, on peut l'avoir avec nous. Ou sinon Vaiana, mais... Là, tu peux avoir un lapin géant pour sauter très haut. Un raptor, un dragon. Une raie manta pour flotter sur l'eau et plonger un griffon. Je croyais... Alors, je croyais que c'était quelqu'un d'autre qui me parlait, Seryu-chan, et que c'était dans Dreamlight Valley. Et du coup, j'étais un peu... Hein? Voilà. Oui, Picsou peut nous suivre. Bah, très bien. Bonne journée à toi. Ah, je lui ai jamais fait de cadeau à lui. Il aime les légumes grillés, le minerai de fer et la topaze. J'ai pas. Non, déso. En vrai, c'est pas tellement que j'avais envie, mais... Bah non, il me dit pas... Ah, pareil, comment puis-je investir? Mais c'est que du coup, mon cerveau, il arrivait pas à processer. Il n'y a pas de moyen, gna gna. Tu veux pas m'accompagner si je te donne pas des thunes? Non, bah salut. Hein. Ouais, salut. Ça sert à quoi de nourrir les animaux? Mais il faut qu'il soit niveau 2. Tu peux lui parler et lui donner des objets jusqu'à ce qu'il monte. Ah ! Bonjour. Voici un petit cadeau. Bah, t'auras des framboises, hein, comme tout le monde. Ah, oh, ça va être long. Il aura des pommes, c'est le premier truc. Les animaux peuvent devenir mes compagnons. Et donc nous suivre. Vrai ? Et il sert à quelque chose ? Ouais, bah Picsou, on verra demain. Hein, parce que s'il n'y a pas un objet que tu préfères. Hein, parce que là, ça va me saouler. Au revoir. Goofy. C'est sympa d'avoir autant d'amis ici. Mais lui aussi, il faut que j'atteigne le niveau 2. Il veut un poisson grillé, sinon. On va aller faire griller un poisson. Non mais, je voulais ramasser ce qu'il y avait à côté de toi. Bon, tant pis. Demande-lui comment il va, la conversation permet de bien monter. Ah oui, c'est vrai! Faut leur parler tous les jours, en plus ils nous l'ont dit. Tout va bien? Il semble que chaque fois que je vais à la pêche ces derniers temps, tout ce que j'attrape ce sont des algues. Essaye de viser les ronds dans l'eau. Maintenant que j'y pense, les algues, ce n'est pas si mal. Tu peux en faire des tas de trucs sympas. Ah oui, ok, ouais, ça monte bien. Lui, il va plutôt être... Bah plutôt cueillette, hein. Je sais pas si après je peux leur faire changer de...
juste... Je vais y arriver. Si je peux les faire changer de métier. Oui, mais seulement quand ils sont niveau 10. Ok. Donc débloque le biome de plage. Comment qu'on fait ? On va cueilleter, hein. Comment on va à la plage? Hop. Mille? Je sais pas combien j'ai. Bonjour. J'ai 2000, bah ça va. Nous devons réparer le pilier de l'amitié. Ça devrait nous permettre d'accéder à de nouveaux biomes. Fichtre. Donc on a dit le machin de l'amitié, il faut être niveau 5 avec 3 villageois. Ah, et achète quelque chose dans le magasin de Picsou. Je vais faire de la cueillette avec Dingo, hein. J'ai plus rien à cueilleter, moi. Ouh, c'est quoi ça? Ah, mais je croyais que... Ah bah si, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une scie! Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des algues avec des algues, super. Je peux faire un éclat d'ortule. Ah non, je peux faire de l'onyx. Je peux faire de la terre enrichie avec de la terre, ok. Ouh, un petit coffre! Est-ce que le petit coffre, on peut l'utiliser en... Bah oui, item fonctionnel. Ouh! Donc il faut que je récupère du bois. Le coffre. Mais oui! Si j'avais su... Ok, je veux du bois tendre. Et ça, là, je le veux à côté de chez moi. Je sais même pas c'est chez qui. On est chez qui, là? Ah, chez Mickey, peut-être? Non, pas du tout. Dingo, ok. Ah bah, pépouse, Dingo. Oh! Petite recette dans le frigo, un petit coffre. J'étais jamais rentrée, je pense. Ah oui, il en a un à l'intérieur aussi. Des lunettes. C'est pas foufou pour l'instant pour s'habiller. Hein. Une recette des crudités. Super. Mais je peux pas bouger dans les recettes. Bref. Donc très bien, il faut que... Ah mais du coup ça se trouve l'établi il est accroché à sa maison. Ça m'arrangerait pas du tout. Ça va, il en a déjà un dans sa maison, il a pas besoin d'un à l'extérieur de sa maison. Est-ce que Vaiana, elle veut quelque chose de spécial? Non, je crois que j'ai déjà regardé, hein. Oui, tarte aux pommes. Tarte aux pommes. Je sais pas comment on fait une tarte aux pommes. Ah oui, mais il faut... Parlons de la nature. Non, tu peux le déplacer. Ouf. Y a-t-il un endroit dans la nature qui te procure plus de joie?
Oui, pas facile comme question, j'adore la nature. Mais si tu devais choisir la forêt, l'océan ou la montagne? La forêt, clairement. Vraiment, j'adorerais en apprendre plus sur la forêt, j'ai vu tellement de nouveaux arbres dans le village. Yeah, on est niveau 2! Et elle, bah, ça va être la pêche, bien sûr. Et il y a vraiment des gens qui ont le courage de changer de copain à chaque fois que tu changes d'occupation. Comment je pivote? Allez, on va le mettre comme ça. Très bien. Donc, ok. Prochain objectif. J'en étais où? Je vais y arriver? Je sais pas, moi, j'ai le même depuis 6 ans. Ah oui, j'en étais à acheter quelque chose dans le magasin de Picsou. Oui, j'ai même pas regardé quand est-ce qu'il est sorti, ce jeu. Et du coup, c'est qui ton accompagnateur? Ouh! Qu'est-ce qui se passe? Ouhou! J'ai gagné un niveau! En vrai, c'est quand que j'ai Stitch, quoi. Donc je disais, je sais plus comment on a Stitch. Bah, Thierry Bug semblait me dire que c'était un peu à la fin. Ah oui, c'est ça que je cherchais. Je cherchais du bois. Quête de la chaussette. Parce qu'il vole toutes les chaussettes? Non, c'est les souliers qui doivent voler, Stitch. Ah oui, mais moi je le connais en québécois. Yeah! Niveau 3! Faut avoir ouvrir toutes les zones pour avoir accès à la quête. Fichtre. Pourquoi il est si loin, Stitch? Parce que, enfin, Mickey, merci, enfin... Je dois être quel niveau pour la quête de l'amitié, là? Niveau 3? Ah non, niveau 5, de Dieu. Mais, je vais avoir assez de bois pour me faire un coq-offre. Ah, ils étaient à temps limité, c'est... Ok, super. Je pensais pas que ce serait si court. Je me disais, est-ce que c'est des bestioles qui vont venir les bouffer ou quoi? Et je l'ai dans l'os. Très bien. Petit bug. Ah oui! Alors que c'est le mieux, Stitch. Et maintenant, je peux construire un coffre. Je sais pas à quoi il sert le panneau, mais ça me prend 10 bois. Et du coup, le coffre, c'est un en plus, et du coup, faut que j'ai deux rangements différents. J'avoue que un peu la flemme, mais...
qu'un mannequin plante doré. Il y a le moindre intérêt à avoir tous ces trucs-là. Je sais pas si je peux... Ah ouais, mais je vais plus pouvoir cuisiner. Si, c'est bon. Ah ouais, c'est comme ça que tu te prélasses, toi. En scrollant, bah bravo. Yeah ! Donc j'ai un nouveau coffre. En fait, il faut juste que je me blinde en bois. Tu le places et tu peux ranger ce que tu veux. Alors. Transfert intelligent, ok. Ensuite. Ici, je vais stocker ça, ça. Un peu d'algues. En vrai, je vais tout garder. Hein. Je vendrai que les fruits. Les récoltes reviennent hyper vite. Tu peux te faire beaucoup de thunes rapidement. Et l'air d'avoir zéro difficulté. Ouais, franchement, ça m'a l'air assez, assez tranquille. Voilà. Très bien. Mais oui, ça m'a l'air d'être tranquille quand même. Donc, maintenant que... Donc, je suis pote avec Goofy, mais pas assez. Et il faut que j'aille acheter un truc chez Picsou. Et lui demander comment se passe sa journée. C'est moi ou il y a un fruitier là-bas? Ah non, il me manquait un arbre fruitier! Et voilà, et je repars à récolter des trucs alors que c'est pas ce qu'on m'a demandé. Et donc, on a dit le fruit. Voilà. Alors, et je vais reboucher ce trou là parce que il était en faisant un trou à côté. Salutations voisin. Bonjour à toi, Mekli. Des conseils pour les affaires ? Tu cherches quelques conseils pour gérer tes pièces étoiles? Oui, s'il te plaît, je paierai pour avoir tes connaissances. Quelques astuces pourraient toujours m'être utiles. Je suis probablement déjà tout ce que tu vas me dire. On va payer pour ses connaissances. Mes connaissances sont inestimables, tu sais. Tu ne pourras jamais en payer le prix. Mais il faut bien commencer quelque part. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est précisément le conseil que j'ai à te donner. Gérer son argent consiste ni plus ni moins à faire des investissements judicieux. Commence avec quelque chose de petit et transforme-le en gros pactole. Quelque chose de petit comme une graine. Dans cette vallée, les cultures sont un secteur fleurissant et florissant, si je puis dire. Quel type de plante devrais-je cultiver? Je n'ai qu'un mot pour toi, un seul et unique mot. Tu m'écoutes? Okra. Okra? L'okra a beaucoup d'avenir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mes voisins sont super. Bonjour. Mais moi je veux pas investir, moi je veux, voilà, acheter un truc dans son magasin. Genre un coffre. Franchement, avoir plein de petits coffres et tout, j'ai toujours galéré dans Minecraft. Aïe aïe aïe. Ouh!
Il y a une borne d'arcade. Oh, il y a Mrs. Samovar. C'est l'heure de gagner de l'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Rustique, tu m'étonnes. Salopette en jean bleu. J'ai pas regardé combien elle coûtait. Parce qu'il faut que j'achète un truc, mais je vais pas... Je suis pas fan de la robe. 200, 210, 210, 520. Ah, les cheveux. 1005, 200. 10 000 le machin. 100 pour le chapeau. Bateau en bouteille, cafetière. Machine à coudre, un vieil ordi. Il y a des trucs en haut aussi. Ah, pointe encore. Eh ben très bien, ce sera la casquette à 100. Bonne journée à toi. Ah, BNL. C'est dans Wall-E et dans d'autres. Je sais plus dans lequel. C'est ceux qui font l'énergie dans Wall-E. Je te remercie. Donc ça, c'est fait. Excellent investissement, Amekli. Tu ne le regretteras pas. Reviens régulièrement. Tu as le sens des affaires. Évidemment, avec tout. Après tout, je sais faire le bonheur de mes clients. Je suis Balthazar Picsou. Yeah, niveau 2. Lui, il va être excavation. Et je crois que j'en ai 5 déjà. Ok. Quelle heure il est? 21h39. Mes amis, ça me brise le cœur, surtout que vous êtes 8. Mais ça va être l'heure pour moi d'aller au dodo. Voilà. Je vais juste aller regarder mes plantations. Voilà, tout simplement. Et du coup, je vais vous dire à demain. Est-ce que vous avez une idée de raid? Où aller? Donc, je vais vous dire à demain. Donc, demain matin, bah, pas trop tard, je pense, vers 9h30. Sauf si je vais faire des courses. Enfin, bref. Demain matin, quoi. Je pense pour du Zelda Wind Waker. Et du coup... Ah si, on va aller chez Audrey, qui joue au Sims 4. Si ça vous va. Je pense qu'on va faire ça. Merci BH Papineau. À demain, des bisous. Et du coup, ouais, on va aller chez Audrey. Été 1920 et les premiers pas du chiot de la famille. Voilà, donc j'espère... Il y en a qui bossent demain. Eh oui, désolé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, je trouve cool ce jeu. Et c'était cool d'avoir des gens que j'ai pas habituellement. Et du coup, bah travaillez bien pour ceux qui travaillent demain. Bon courage. Et plein de bisous. Et dites bonjour à Audrey. Enfin, je vais venir dire bonjour quand même. Des bisous. Bye bye. Ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais les faire ça. Merci beaucoup, Amélie, pour le raid. Comment tu vas? C'était sur quoi? S'ils sont en fait, ce sont pas des débutants car les contrats sont durs à décrocher. Ok, bah après, non, ou peut-être pas forcément des débutants, mais des gens qui préfèrent faire comme ça. Je sais pas, moi j'y connais rien. C'est juste une réflexion comme ça. Merci pour le shout-out.
réagis pas pareil, donc le mieux c'est de savoir la fermer, perso. Moi je dirais que j'y arrivais pas, ça me démotiverait plus qu'autre chose. Moi je dirais que j'y arriverais pas, ça me... Ouais. Il y en a, ça va leur booster leur ego, tu vois.